Ana au CFR. Bonjour mes chers. Aujourd'hui, un monument, une histoire, nous fera découvrir Kesra, le plus haut village berbère de Tunisie. Une architecture et des paysages à couper le souffle. Découvrons. À 1100 mètres d'altitude, le village de Kesra se situe au croisement d'une histoire riche, une architecture hors du commun et des paysages naturels envoûtants. Si l'usage de superlatifs vous semble excessif, nous vous invitons à nous accompagner pour explorer les joyaux de ce village berbère. Il suffit de parcourir 160 km à partir de Tunis et aux environs de 80 km à partir de Kairouan pour que le visiteur de Kesra entame une immersion historique sans égale, doublée d'un dépaysement total. La seule localité antique de la région qui jouit de plusieurs atouts pour attirer les amateurs de la randonnée et de l'histoire. Une architecture unique. Avec un habitat et une voirie qui rappelle le Moyen-Âge, voire l'Antiquité, le village de Kesra garde des traces historiques facilement identifiables avec les inscriptions puniques et latines sur des pierres, sur des murs, dans des maisons. Il vous sera possible de contempler des monuments mégalithiques dont certains ont conservé leur couverture en grosse dalle ainsi que des tombeaux creusés dans le roc. Sans oublier d'autres édifices de l'époque byzantine qui ont été érigés avec des matériaux antiques tels une forteresse, quadrangulaire d'époque justinienne, des remparts et une tour. Il faut également admirer les sources d'eau qui coulent au milieu du village, surgissant des profondeurs de la roche. Des paysages splendides. Outre le patrimoine culturel, le charme de Kesra réside dans les joyaux naturels dont le village regorge. Les paysages, de toute beauté, se dressent à perte de vue, sur les champs, avec les lacs et les forêts de pins d'Alep. Les vergers aux olives et figues en contrebas complètent le décor d'un environnement naturel envoûtant. Ana au CFR.